des universités, et même nous en avons construit de nouvelles, chose qui n'a jamais été faite depuis notre indépendance. Nous avons, rappelez-vous ce merveilleux souvenir, celui des Jeux de la Francophonie. Nous avons organisé les Jeux de la Francophonie. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures sportives de haute facture pour la jeunesse. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada. Aujourd'hui, nous redonnons de la fierté au Congolais. Le dé de démocratie, de démocratique, mais pour moi, je le mettrais le développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Nous avons encore en formation à peu près 40 000 jeunes qui avaient répondu.